qui a fait dire quelques annonces. Aujourd'hui, le 15e dimanche après la Pentecôte. Demain, Saint-Étienne, roi de Hongrie, dans plusieurs diocèses, le bienheureux martyr de la Révolution, septembre 1792. Mardi, Saint-Pédis, pape et confesseur, mercredi de la Férie, jeudi, Saint-Laurent Justinien, évêque et confesseur, vendredi, premier vendredi du mois de la Férie, samedi, premier samedi du mois de la Sainte Vierge au samedi, et dimanche prochain, 16e dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui nous donne le récit de la résurrection d'un jeune homme, fils d'une veuve, à Naïm, petite ville en Galilée. Et voilà, les pères d'Église font plusieurs considérations, que c'est nous qui sommes morts. Bien sûr, l'histoire a eu lieu, mais si à travers les événements, Dieu nous apprend des choses. C'est nous qui sommes morts au niveau surnaturel et que Jésus nous ressuscite. Et il donne à sa mère l'enfant, donc il nous donne, une fois qu'on a retrouvé la grâce à l'Église, aux soins de l'Église. Alors voilà, pour remettre la vie dans une paroisse, il n'y a pas mieux que quelques dévotions. J'avais dit dans un sermon il y a quelques semaines que la prophétie de Fatima est moins pressante qu'on pensait, puisque la prophétie de Fatima, elle est certainement la Sainte Vierge Marie. Il y a eu le miracle du soleil, donc il n'y a pas de doute, devant 30 000 personnes, les journalistes, les athées même, qui ont reconnu le miracle. Mais il fallait que le pape, avant 1960, consacre la Russie, uniquement la Russie, au cœur immaculé de Marie. Ça n'a pas été fait, et nous comprenons maintenant pourquoi ça doit être fait avant 1960. Parce que le troisième secret devait être révélé aussi avant 1960, et il s'agit certainement de l'apostasie dans l'Église. Et l'apostasie commencera quelques années plus tard. Donc, ce n'est pas les apostats qui vont s'accuser eux-mêmes. Donc, on voit que l'hérésie a eu lieu en 64. C'est fini. Il n'y a aucun pape qui va encore vouloir dévoiler vraiment tout le secret, le troisième secret de Fatima, et consacrer la Russie comme il faut. Voilà. Alors, j'ai dit, Bergoglio, là. Il a donc, que Jésus l'appelait antipape, parce que la plupart des antipapes n'étaient même pas hérétiques, mais schismatiques. C'est pire qu'un antipape, n'est-ce pas? Il a fait la consécration à la Russie totalement invalide, puisqu'il n'est pas pape. Alors, on voit le résultat qu'il n'y a pas de conversion de la Russie. Il n'est toujours pas catholique. Alors, mais je vais faire quand même une correction ou un ajout. C'est que la Sainte Vierge Marie a demandé le 13 juillet 1917 au petit voyant, je viendrai demander la consécration de la Russie. Voilà, ça n'a pas été fait convenablement. Ça devrait être fait par des vrais papes, ils ne l'ont pas fait. Et deuxième chose, et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Deux choses. Alors, c'est intéressant, cette communion réparatrice des premiers samedis du mois, parce qu'elle est capable
de faire beaucoup de choses. Puisque nous, on est plus motivés que jamais, il y a une menace de guerre mondiale, nucléaire même, plus que jamais. Ça devient chaud, n'est-ce pas? Par exemple, la Hollande a livré des F-16 à l'Ukraine en disant qu'ils peuvent les utiliser dans le terrain russe. Et ça, c'est vraiment collaboration active à la guerre. Donc, l'OTAN participe de plus en plus activement, et c'est nous, l'OTAN. Nous sommes dans l'OTAN. Nous ne sommes pas très loin de Bruxelles, qui est le siège européen de l'OTAN. Donc il y a une menace de guerre très grave. Et alors, le 19 mars 1939, la sœur Lucie confia au père Aparicio, c'est son confesseur, il disait, de la pratique de ses dévotions unies à la consécration du cœur immaculé de Marie, la consécration qu'on peut faire nous-mêmes ou que le pape devrait faire, dépendent pour le monde la paix ou la guerre. C'est pourquoi j'ai tant désiré sa propagation. Et puis, surtout parce que telle est la volonté de notre bon Dieu et notre si chère Mère du Ciel. Donc, de cette consécration qui n'a pas été faite, mais aussi de ces dévotions que nous pouvons faire toujours, dépend pour le monde la paix ou la guerre. C'est la Sainte Vierge qui l'a dit à Lucie. Donc, c'est pour ça que je vous en parle, qu'on peut faire beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on voit que Aloysius Mayer qui a dit toutes ces prophéties sont réalisées, sauf une, qui disait qu'en 1958, ce serait la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Alors on dit pourquoi ça n'a pas eu lieu. Les gens ont prié, ils ont fait réparation, ils ont prié et ils ont fait des sacrifices, comme la Sainte Vierge a demandé. Le message de Fatima lui-même, pour autant qu'il a été révélé quand même, parce qu'il y a des cardinaux qui ont lu le troisième message, et ça a été dit à certaines personnes, donc on apprend quand même des choses, c'est que la Troisième Guerre mondiale devrait avoir lieu au moins à la fin du XXe siècle. Ça n'a pas eu lieu. Donc encore, beaucoup de gens ont prié et ont fait des sacrifices. Donc on peut repousser, n'est-ce pas? On est maintenant en 2024 déjà, n'est-ce pas? C'est loin, donc le bon Dieu est très, très patient. Et il ne veut pas ce châtiment. Comme un bon père, il ne veut pas de châtiment. Il veut la conversion du pécheur, pas la mort du pécheur, dit l'Écriture sainte. Donc, vous voyez que cette dévotion, que la prière et la dévotion des gens peuvent avoir des résultats et ont des résultats. Au minimum pour nous-mêmes, pour que nous-mêmes soyons protégés, et aussi pour nos familles, nos régions, nos pays, voilà, pour l'Église. Alors, vous connaissez cette communion des premiers samedis du mois, mais je vais le rappeler pour ceux qui sont nouveaux. Alors, la Sainte Vierge dit le même 10 décembre 1925 à Ponte Vedra, la sœur Lucie dit que la Sainte Vierge lui a dit, elle va. C'est tiré d'une lettre à son confesseur, le père Aparicio. Donc, je cite maintenant sœur Lucie, qui donne les paroles à Sainte Vierge Marie. « Vois, ma fille, mon cœur entouré des épines que les hommes m'enfoncent à chaque instant par leur blasphème et leur ingratitude. Toi, du moins, tâche de me consoler et dis que tous ceux qui... pendant 5 mois, le premier samedi, donc les 5 premiers samedis du mois, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet et me tiendront compagnie pendant 15 minutes en méditant sur les 15 mystères du rosaire, en esprit de réparation,
je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le ciel de leur âme. » Donc elle promet le ciel tout simplement. Alors, le 15 février 1926, il y a des explications, des informations supplémentaires. L'enfant Jésus apparut à sœur Lucie et il y a des explications. C'est tiré d'une lettre à Monseigneur Pereira Lopez, un des anciens confesseurs de la sœur la voyante. Alors, elle écrit, le sœur Lucie, la voyante, « Mon confesseur disait dans sa lettre que cette dévotion ne faisait pas défaut dans le monde, parce qu'il y avait déjà beaucoup d'âmes qui vous, donc elle parle à Sainte Vierge Marie, qui vous recevaient, non, pardon, à l'enfant Jésus, qui vous recevaient chaque premier samedi en l'honneur de Notre-Dame et des 15 mystères du rosaire. » Donc il y avait déjà beaucoup d'âmes. En 1926, l'enfant Jésus lui répond, « C'est vrai, ma fille, que beaucoup d'âmes commencent, mais peu vont jusqu'au bout, et celles qui persévèrent le font pour recevoir les grâces qui y sont promises. Les âmes qui font les 5 premiers samedis avec ferveur et dans le but de faire réparation au cœur de ta mère, Michel, me plaisent davantage que celles qui en font 15 tièdes et indifférents. » Donc là, l'enfant Jésus demande la ferveur et de la faire dans l'esprit de réparation au cœur de la Sainte Vierge Marie. Alors il répond, « Mon Jésus, bien des âmes ont de la difficulté à se confesser le samedi, si vous permettiez que la confession dans les 8 jours soit valide. » « Oui, » répond l'enfant Jésus, « elle peut être faite même au-delà, pourvu que les âmes soient en état de grâce le premier samedi, lorsqu'elles me recevront dans la communion. Et que dans cette confession antérieure, elles aient l'intention de faire ainsi réparation au cœur sacré de Marie. » C'est dans l'esprit de réparation. Pour les insultes faites à Marie, au cœur immaculé de Marie, donc à Dieu finalement. Elle représente Dieu. Sœur Lucie de répondre, « Mon Jésus est celle qui oublieront de formuler cette intention de faire réparation. » Alors Jésus répond, « Elles pourront la formuler à la confession suivante, profitant de la première occasion qu'elles auront pour se confesser. » Alors, 4 ans plus tard, le père Consalves, qui avait remplacé le père Aparicio comme confesseur de Lucie, la voyante, demanda à elle de répondre par écrit à 5 questions sur la dévotion. Alors il demandait, quand est-ce que la Sainte Vierge vous a dit ça? Elle a dit le 10 décembre 1925. Et comment? Par une apparition de notre Seigneur et la Très Sainte Vierge Marie, qui me montra son corps immaculé entouré d'épines et demandant réparation. Où ça? Eh bien, à Pontevedra, la première apparition eut lieu dans ma chambre, la seconde près du portail du jardin où je travaillais. Quelles sont les conditions requises? On va répéter. Durant 5 mois, le premier samedi du mois, recevoir la Sainte Communion, dire le chapelet, tenir compagnie 15 minutes à Notre-Dame en méditant le mystère du rosaire et se confesser avec la même intention. Donc la confession peut se faire un autre jour, pourvu qu'on soit en état de grâce en recevant la Sainte Communion. Alors, l'avantage aux promesses, ça on vient de dire, c'est donc que la Sainte Vierge nous assiste à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires au salut. Alors, pourquoi 5 samedis et non 9? 9, comme Jésus a demandé à Sainte Marie Magdalène à la Coque, pour les 9 premiers vendredis du mois, n'est-ce pas, qui a été demandé au XVIIe siècle,
par le cœur de Jésus. Trois, cinq, en l'honneur des douleurs de Notre-Dame. Et elle répond sur Lucie, me trouvant dans la chapelle avec notre Seigneur une partie de la nuit, du 29 au 30 de ce mois de mai 1930, et parlant à notre Seigneur des questions 4 et 5, donc la question que ce père confesseur vient de poser, je me sentis soudain possédé plus intimement par la divine présence, et si je ne me trompe, voici ce qui m'a été révélé. Ma fille, le motif en est simple. Il y a cinq espèces d'offenses et de blasphèmes proférées contre le cœur immaculé de Marie. Donc c'est l'enfant Jésus qui parle. Premièrement, les blasphèmes contre l'Immaculée Conception. Deuxièmement, les blasphèmes contre sa virginité. Troisièmement, les blasphèmes contre sa maternité divine, en refusant en même temps de la reconnaître comme mère des hommes. Quatrièmement, les blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le cœur des enfants l'indifférence ou le mépris ou même la haine à l'égard de cette mère immaculée. Cinquièmement, les offenses de ceux qui outragent directement dans ces saintes images. Voilà, ma fille, le motif pour lequel le cœur immaculé de Marie m'a inspiré, à Jésus, de demander cette petite réparation et en considération de celle-ci, d'émouvoir ma miséricorde pour pardonner aux âmes qui ont eu le malheur de l'offenser. Quant à toi, cherche sans cesse, par tes prières et tes sacrifices, à émouvoir ma miséricorde à l'égard de ces pauvres âmes. Alors, ceux qui ne pourront pas accomplir les conditions le samedi, ne peuvent-ils y satisfaire le dimanche? Encore question posée par Lucie, et Jésus a répondu, la pratique de ces dévotions sera également acceptée le dimanche qui suit le premier samedi. Quand mes prêtres, pour le juste motif, le permettront aux âmes. Voilà. Alors, donc, le motif pourquoi Jésus a demandé cette dévotion, c'est donc, il le dit lui-même, le cœur immaculé de Marie m'a inspiré de demander cette petite réparation et en considération de celle-ci, d'émouvoir ma miséricorde. La miséricorde, ça veut dire que Jésus a pitié de nos faiblesses, à condition qu'on se reconnaît coupable et qu'on la confesse. Donc, toute son efficacité, c'est la volonté de réparer les outrages subis par Notre-Dame de la part des pécheurs. C'est l'un des points essentiels du message de Fatima. Alors, c'est vrai que Vatican II a diminué la dévotion à la Sainte Vierge Marie pour plaire aux protestants, etc. Donc, ils ont réduit au minimum. Donc, ils ont refusé la demande, n'est-ce pas, de satisfaire la demande de plusieurs évêques, entre autres Mons Lefebvre, pendant le Concile Vatican II, de proclamer le dogme de l'intercession universelle à Sainte Vierge Marie, médiatrice de toute grâce. Ils l'ont refusé pour ne pas offenser les protestants. Ils diminuent la gloire de Marie, de Dieu. Alors, l'un des points essentiels du message de Fatima, c'est réparer les offenses commises envers les cinq cœurs de Jésus et de Marie. En octobre 1928, dans une lettre adressée à son évêque, Monseigneur da Silva, Sœur Lucie écrit encore « Le bon Dieu, dans son infinie miséricorde, se plaint de ne pouvoir supporter plus longtemps les offenses qui se commettent contre l'Immaculée Conception et la Très Sainte Vierge. Il dit qu'à cause de ce péché, un grand nombre d'âmes tombent en enfer. Il promet de les sauver dans la mesure où l'on pratiquera la dévotion suivante, donc le premier samedi du mois, avec l'intention de faire réparation au cœur immaculé de notre Sainte Vierge, notre très Sainte Mère.
Donc, voilà, sur les six, comme j'ai dit, confia au Père Apparitio, la pratique de ces dévotions, unie à la consécration au cœur de Immaculée de Marie, dépend pour le monde de la paix et la guerre. Donc, ça va loin. C'est pourquoi j'ai tant désiré sa propagation, et puis, surtout parce que telle est la volonté de notre bon Dieu et notre si sainte chère Mère du Ciel. Plus tard, Sœur Lucie indiqua qu'il fallait pratiquer ces dévotions chaque premier samedi du mois, si possible, pas seulement cinq. Le cinq, c'est un minimum. Car à chaque fois, nous pouvions obtenir la conversion d'un plus grand nombre de pécheurs. Donc, ce n'est plus pour nous sauver nous-mêmes, mais pour que sauver les autres. Alors, elle dit, voici ma façon de faire les méditations sur les mystères du rosaire, les premiers samedis. Le premier mystère, l'Annonciation de l'ange Gabriel à Notre-Dame. Ici, Sœur Lucie donne sa méthode pour méditer sur un mystère. Le deuxième mois, premier samedi, je fais la méditation du deuxième mystère joyeux, le troisième, du troisième, et ainsi de suite. Et suivant la même méthode pour méditer. Donc, c'est pour la méditation d'un quart d'heure. Quand j'ai fini ces cinq premiers samedis, je recommence cinq autres et je médite des mystères douloureux, ensuite les glorieux, et quand je les ai terminés, je recommence les joyeux. Alors, cette précision de Sœur Lucie indique bien qu'il faut accomplir ces dévotions autant que possible chaque premier samedi du mois, et non pas uniquement cinq fois, car cette pratique est avant tout pour sauver des âmes. Et comme je viens de dire, d'arrêter la guerre et de la repousser ou d'atténuer les châtiments. C'est d'ailleurs le sens de la première demande de Notre-Dame le 13 juillet 1917. Je viens de demander la communion réparatrice dès le premier samedi du mois, pas seulement cinq. La pratique des cinq samedis successifs accorde une grâce supplémentaire donc. C'est de l'assistant Notre-Dame au moment de notre mort. Mais il ne faut pas confondre la pratique générale, donc de tous les samedis, les premiers samedis du mois, et la grâce supplémentaire accordée à ceux qui la font cinq premiers samedis de suite. Mais c'est déjà bien qu'on fait cinq samedis, vous avez déjà votre âme. Cette grâce si extraordinaire est avant tout la marque que le ciel attache une très grande importance à ses dévotions. Voilà. Alors, cela fait penser, bien sûr, j'en ai parlé, à une dévotion beaucoup plus ancienne, celle du cœur sacré de Jésus, les neuf premiers vendredis du mois, qui remonte, comme je viens de dire, au XVIIe siècle. Donc, c'est la grande promesse des neuf premiers vendredis du mois, faite par Jésus à Sainte Marguerite Maria Lacocque, en 1673, à Paray-le-Monial, contre le calvinisme. C'était contre l'hérésie du calvinisme, qui influençait aussi les catholiques. Alors, la promesse de Jésus est « Je te promets, dans l'excessive miséricorde de mon cœur, que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis du mois, neuf mois consécutifs, la grâce, la pénitence finale. Ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements, mon divin cœur se rendant leur asile assuré à ce dernier moment. » Donc c'est la même grâce qui a été donnée déjà au XVIIe siècle pour ses dévotions. Mais il n'y a pas seulement cette promesse qui est extraordinaire, c'est la persévérance finale qui est la grâce la plus grande. Mais il y a 12 promesses, 12 promesses qui ont été publiées par le pape Benoît XV, en date du 13, donc par une bulle de canonisation de Sainte Marguerite Marie en date du 13 mai 1920.
Le pape a encouragé la pratique des communions réparatrices le premier samedi du mois, le vendredi du mois, en l'honneur du Sacré-Cœur. Alors, quelles sont les 12 promesses? On connaît la dernière, donc la plus importante. Mais il y a 12 promesses de notre Seigneur Jésus-Christ pour la pratique des 9 premiers vendredis du mois pour la communion. Il demande seulement la communion, mais bien sûr, si c'est nécessaire, précédé par une confession pour avoir l'état de grâce. Premièrement, je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à leur état. Deuxièmement, je mettrai la paix dans leur famille. La paix dans la famille. Il y a pas mal de disputes, des discordes, des problèmes dans les familles. Je mettrai la paix dans leur famille. Troisièmement, je les consolerai dans toute leur peine. Il y a des gens qui traînent des croix, n'est-ce pas, qui ont des problèmes, qui sont affligés. Quatrièmement, je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort. Donc, refuge assuré. Donc, pour toutes les afflictions qu'on a dans les tribulations de cette vie. Cinquièmement, je répandrai d'abondantes bénédictions sur toute leur entreprise. L'entreprise honnête, bien sûr. Sixièmement, les pécheurs trouveront dans mon cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. Ça veut dire que Jésus pardonne tous les péchés et tout, n'est-ce pas, avec générosité extraordinaire. Septièmement, les âmes tièdes deviendront ferventes. Et la ferveur rend la religion facile. Mes âmes tièdes ont du mal à faire, faut encore aller à la messe, faut faire un peu prier. S'il y a la ferveur, ça va tout seul. Celui qui aime ne compte pas. Pour l'amour, l'effort ne compte pas. Huitièmement, les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. Donc les âmes tièdes deviendront ferventes et les ferventes s'élèveront à une grande perfection. Neuvièmement, je bénirai moi-même les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée. Bénirai les maisons. Dixièmement, je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. C'est intéressant pour les prêtres aussi. Il faut s'appliquer. Onzièmement, les personnes qui propageront ces dévotions auront leur nom écrit dans mon cœur où il ne sera jamais effacé. Ensuite, la douzième promesse que je viens de dire, c'est la persévérance finale, que Jésus nous donne la grâce de mourir en état de grâce. On ne peut pas mourir en état de péché mortel. Donc, les conditions pour obtenir ces grâces sont tout simplement, je répète, recevoir la communion 9 premiers vendredis consécutifs, donc 9 premiers vendredis du mois, consécutifs sans interruption. Si on saute un vendredi, on recommence tout simplement. On a tout encore une vie devant soi. Donc. Deuxièmement, avoir l'intention d'honorer le Sacré-Cœur de Jésus et d'obtenir la grâce de la pénitence finale. Et troisièmement, offrir chaque communion de ces 9 communions en réparation pour les offenses commises contre le Saint-Sacrement. Voilà. Donc ce sont deux dévotions, n'est-ce pas, qui sont données par le ciel pour 7 ans, n'est-ce pas, si, après le Moyen-Âge, donc la première c'est le 17e siècle, le deuxième c'est le 20e siècle, la première c'est contre le protestantisme, et la deuxième c'est contre l'apostasie générale, n'est-ce pas, Vatican II, c'est pire. Pour des grâces extraordinaires. Vous savez que je suis ici, n'est-ce pas, pratiquement tous les jours. Je ne fais plus de messe ailleurs. Alors, j'essaie de plus faire des messes à l'os. En tout cas, on est en train de transporter tout, même la chapelle. C'est pour ça que vous voyez ici une image, n'est-ce pas? C'est une toile, copie de l'agneau mystique du peintre Van Eyck,
qui pend dans la cathédrale de Gand. C'est le panneau le plus important, central, parce qu'il y a d'autres panneaux avec Dieu le Père, etc., Adam et Ève, et les juges. C'est un panneau qui a été volé en plus. Voilà. Si vous avez. Ça représente le ciel. Vous voyez l'autel ici avec un agneau, c'est l'agneau mystique, c'est Jésus qui dit « Je suis l'agneau de Dieu », qui verse son sang dans un calice. Donc c'est la messe qui est faite dans le ciel. Parce que chaque messe qui est faite sur terre est en même temps célébrée dans le ciel. Parce que Jésus est prêtre dans le ciel. C'est lui qui consacre l'hostie et le vin. C'est pour ça que le prêtre sur terre il dit « Ceci est mon corps et mon sang ». C'est-à-dire qu'il parle d'une personne à Christi. C'est Jésus. Il représente Jésus. Il est là au nom de Jésus. Et dans la place de Jésus, il a eu la consécration, pas l'ordination, les pouvoirs de faire ça. Mais c'est Jésus qui consacre. Le prêtre ne peut pas faire ça. Jésus consacre au moment que le prêtre agit sur terre. Il est le prêtre visible. Il y a un prêtre le plus important est invisible. C'est dans le ciel. Donc c'est dans le ciel, et ici il y a donc des groupes de saints. Il y a les saintes vierges là. Il y a les martyrs qui ici les martyrs, qui ont des palmes. Là les confesseurs, et là encore, ici ce sont des païens qui sont convertis, qui sont morts en état de grâce, ça veut dire par le baptême des désirs. Donc ça c'est curieux, effectivement. Il y a le baptême de désir, ça c'était préconisé par enseigné par le Concile de Trente. C'est que les gens qui n'ont pas l'occasion de connaître l'Église catholique, mais qui ont fait tout ce qu'ils peuvent pour adorer et plaire au Dieu qu'ils connaissent par leur intelligence, parce que tout le monde peut connaître qu'un Dieu existe quand il considère tout ce qui existe, parce que rien ne vient de rien. Et la cause est proportionnée à l'effet. L'effet est l'univers. Donc la cause est infinie. Et ensuite, qui ont suivi leur conscience, qui est la voix de Dieu. Eh bien, ils ont fait tout ce qu'ils peuvent pour plaire à Dieu. Alors, on ne peut pas faire plus que le maximum. Eh bien, ces personnes sont quand même sauvées. Le bon Dieu va les damner parce qu'ils ont fait le possible pour l'aimer. Ils ont le baptême des désirs. Et c'est un baptême. Ça donne état de grâce. Donc ici, il y a Aristote, il y a même un druide, n'est-ce pas? Des gens qui ont eu l'intention correcte, qui n'ont pas eu l'occasion de connaître l'Église. Ils sont aussi dans le ciel. Donc c'est très remarquable, ce tableau. Il y a plusieurs catégories, les confesseurs, les vierges, les martyrs et les païens, donc, qui ont le baptême des désirs. Et ici, il y a une fontaine, n'est-ce pas? Une fontaine avec sept fontaines. C'est ça, ces sacrements qui sont le fruit du sacrifice de Jésus et qui donnent la grâce sur terre. Ici, vous avez l'horizon de Gand avec la cathédrale de Gand, n'est-ce pas, ici? Où il y a donc la. Parce que Van Eyck a peint à Gand. C'est intéressant. Alors, ce tableau est donc apocalyptique, parce que c'est l'Apocalypse qui parle de l'agneau, n'est-ce pas, qui est dans le ciel. Et c'est par hasard que cet hôtel que j'ai trouvé, il n'y avait pas un autre disponible, est aussi apocalyptique. Il y a un texte d'Apocalypse ici, avec des symboles d'Apocalypse. Et l'Apocalypse, ce sont des prophéties de l'Écriture sainte sur l'avenir de l'Église, pour conforter les fidèles que dans la tribulation, ils doivent garder confiance. Que tout est prévu par Dieu et que l'Église va toujours triompher. L'Apocalypse montre bien sûr des temps difficiles de l'Église, mais nous donne l'assurance que Dieu est toujours là et que les difficultés sont données pour mériter. Voilà. Donc j'en dirai pas plus, sinon voilà, ça va durer plus qu'un sermon. Mais on remercie le bon Dieu pour toutes ses grâces. Et je vous encourage pour cette dévotion des premiers samedis ou vendredi du mois, ou tous les deux, j'ai connu, en plus, moi je suis déjà prêtre depuis
1995, quoique je suis une vocation tardive, parce que je suis ordonné prêtre à 43 ans, mais quand même, j'ai déjà 30 années, ça va vite, presque 30 ans de sacerdoce. Eh bien, j'ai vu pas mal de gens, beaucoup de gens à l'époque, qui faisaient chaque premier vendredi et samedi, hein. Et ces gens sont certainement morts en état de grâce. C'est magnifique. Des gens qui sont allés au ciel, que j'ai connus, qui sont au ciel. C'est très beau. Donc, je vous souhaite la même chose. Hein. Je vous encourage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.